こんばんは皆さん、お元気ですか？Coucou tout le monde, comment allez-vous? Alors attendez, petite caméra, petite vérif, est-ce que l'on m'entend? Je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat s'il vous plaît. Mina genki. Coucou tout le monde. Ah nickel, pas de décalage avec le chat. Comment ça va? Comment ça va depuis la semaine dernière? Est-ce que vous allez tous bien? Petit réglage, comme d'habitude. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le stream fonctionne? Et est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte? Ou du moins, elle est assez forte? Wow, congratulations! Merci, Tenjo Maru! Mais comment c'est pas comme ça? Merci pour ton prime. Je vais des clap dans le chat. Des clap dans le chat. Merci Tenzo Maho. Merci pour ton prime. 6e mois d'abonnement. Mais qu'est-ce que ça passe vite. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Tu m'as l'air ok avec le son. Ah génial. Génial. Alors attendez, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde. À chaque fois qu'en début de semaine j'oublie que vous êtes beaucoup à suivre les cours. Du coup je suis toujours choquée en mode waouh, on est beaucoup. Je vais dire bonjour à tout le monde. En plus, j'ai vu qu'il y avait énormément de nouveaux. Alors, bienvenue à tous les nouveaux. Alors, attendez. Bonjour Coxy. Bonjour Destiny. Bonjour Maïe, Sophie, Dolly, Louise, 5998, qui est nouveau ou nouvelle. Saéliane, Pousse de Bambou. J'ai eu la pub pour Zelda Samsung. Est-ce que tu aurais envie peut-être de ce jeu? Coucou Claricou, coucou Maël, coucou Max Energies, qui est également nouveau, bienvenue à toi. Ensuite, coucou Alubé4, également nouveau, mais waouh, vous êtes énormément, et je vois que ça, des premières fois sur le chat, Coucou, d'où venez-vous, dites-moi tous ces nouveaux. Est-ce que vous venez de la publication sur les groupes Facebook peut-être? Coucou Moumoufine, également nouveau. Coucou Idril. Coucou Marie Favra. Kombawa, kombawa. Coucou, il y en a trop des gens. Vous êtes beaucoup. Lilith, coucou. Du coup, Tenzo Maho, forcément, qui en plus a Prime. Et ça, je vous oublie pas, les gens. Ceux qui ont Prime et qui utilisent sur la chaîne, je vous oublie pas. Coucou Malistan. Coucou Kalinours. Je crois que j'ai fait le tour. Coucou Nina, coucou Kamikun. Ça fait beaucoup, dis donc. Coucou Meletoina. Coucou Illusion. Coucou Neko Céline, qui est également nouveau ou nouvelle. Coucou Général. Je pense qu'on est bon. Coucou Keio. Et coucou Dr. Freeze. Et coucou, le poulet est bon pour la santé. Je suis d'accord avec toi, qui est également nouveau. Ouais, c'est bon, je suis à jour. Ouh, date de fin. Ouh. Ah oui, c'est Mimu sur le Naruhodo. Atarashi account kana. Non, Idrin, t'es pas de nouvelles. Je le vois avec vos kunai juste à côté de vos pseudos. Du coup, voilà. En bref, coucou tout le monde. Mais quand je commence à dire coucou, après, je dis coucou à tout le monde. Forcément. Forcément. Sinon, les gens, aujourd'hui... Ah du coup, merci beaucoup, hein, le poulet est bon pour la santé, pour le follow. Et Gwen Hugo également qui a follow, ainsi que Arube, il y a quelques minutes. Merci tout le monde, vous êtes des amours. Arigato gozaimasu. Qu'est-ce que j'ai dit, Maïe? Qui répond pas à un message? Bah en même temps, faudrait que j'ai le temps. J'ai pas le temps. I don't have time. Jikan ga nai desu. Ma journée d'aujourd'hui, les gens. Déjà, j'ai dormi jusqu'à 11h parce que hier... Walala, walala, la journée à Disney, j'en pouvais plus. On est rentré à minuit, on avait 4 heures de sommeil dans le corps, on a fait plus de 20 000 pas, j'ai dormi. Déjà le matin, j'ai dormi. Et l'après-midi, j'ai bossé sur ce que j'avais à faire, j'ai fait du sport, je suis rentrée, je me suis lavée. Et après, quand je me suis lavée, j'ai fait le diapo, parce que le diapo, il n'était pas fait pour aujourd'hui. Et pouf, j'ai fini le diapo, fallait lancer le live. Donc Bayou, je te répondrai après. Tout ça pour ça. 31 degrés à l'ombre. Ah ouais, non, mais hier, Disney, topissime, hein. Mais trop chaud, hein. Trop chaud, hein. La grasse mat, c'est la vie. Ah, mais là, les 11 heures de sommeil, je pense que je pouvais encore faire 2 heures. Facile. Mais je me suis dit... Ah, j'ai vu le réveil, il me dit 11 heures. Candice, t'as pas fait le diapo. C'est
c'est sur ça. Quand d'ici il y a le diapo à faire, tu vas pas abuser. Sinon, c'est pas possible. Coucou Moni, Sonata, comment tu vas? Donc, vous inquiétez pas, ce soir, je fais les mails, je réponds, etc. Et blablabla, blablabla. Il fait 40 au Portugal, les gars. Ouais, mais non, en France, nous. On est en France. Bon, je vois que vous avez l'air tous en forme. Ou alors, c'est moi qui suis très, très, très en forme, très, très pile électrique aujourd'hui. Coucou, Germilante, comment tu vas? Les gens. Merci pour le follow, mais les gens. Je vais des clap, clap, clap pour Germi. Des clap, 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 parce qu'il va être papa. Je mets des clap, clap, clap. J'en reviens toujours pas, hein, Germi. J'ai pleuré, déjà parce que je m'y attendais pas, et déjà parce que du coup, j'étais en mode, mais trop bien. C'est trop bien. J'espère que tu vas bien, du coup. Que tous tes préparatifs se préparent. Voilà. J'aurais pas dû commencer ma phrase comme ça. Et alors, du coup, là, vous faites des clap, clap, clap. Allez donner du love à Germi, qui, bon, il va être papa, mais il twitch. Et il twitch quoi? Ses révisions en japonais. Et ça va vous plaire. Ok? Vous allez follow Germiland tout de suite, là, maintenant. Oh mon dieu! Wow! Congratulations! Wow! Merci beaucoup, Marie Favra, pour le Prime! Vous êtes le sang! Merci! Je veux également des clap, clap, clap pour Marie! Des clap, clap, clap dans le chat! Des clap, clap, clap dans le chat! Si c'est un prénom japonais qui le dit, c'est pas fou! C'est pas ouf! AOS Room! Calm down, boy! Hein? Hein? Merci beaucoup, Marissan! Vous êtes deux Marissan! Oh, oh mon dieu! Merci beaucoup! Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux et qui ont un abonnement, comme par exemple Marie, sachez que vous avez sur le Discord des salons qui vous sont réservés où je vous donne, à vous uniquement, vous êtes des privilégiés, tous les diaporamas des cours, tout plein de petits trucs, des exercices en plus, et patati patata, tout bien organisé pour réviser votre japonais. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à lier votre compte Twitch à Discord pour avoir le rôle, parce que ça se fait automatiquement. Et bienvenue Mister Pitou. C'est trop chou comme pseudo. Merci en tout cas pour ton follow il y a quelques minutes, et puis bah, bienvenue à toi. D'où viens-tu? Dis-nous tout, on est curieux ici. Très curieux comme d'habitude. Oui, c'est le bazar, lol, encore 2 semaines tranquille, puis je vais réduire un peu les lives pour préparer tout ça. Bah ouais, je me doute. J'ai vu ce matin que, bah, quand je me suis réveillée, j'ai vu que t'étais en live, mais j'avais pas le temps, du coup je suis pas venue, mais je l'ai vu. Il est pas bien, car on l'a attaqué sur Discord au bal. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui m'as grave ému quand j'ai revu le live et toute l'émotion que tu avais. Ah, oh. Mais ouais, non, mais tu sais que j'ai pleuré pour de vrai, hein. J'étais en mode... genre, choquée et contente en même temps, j'étais en mode... quoi? Moi, j'étais en mode, il va nous faire un bail de malade en japonais ou quoi? Non. Rien à voir. Rien à voir. Alors, pour lier le Discord au Twitch, c'est dans les paramètres. Paramètres, connexion, et là, vous allez avoir les petites icônes de Twitch. Faut cliquer dessus et vous connecter, tout simplement. Mais de rien, et merci pour l'accueil, je viens de Normandie. Il fait chaud actuellement, ça change de la flotte des derniers mois. Ah, mais nous aussi, là, dans moi, alors moi, du coup, pour ceux qui ne savent pas, je viens de Lille, enfin, du moins, dans les alentours. J'ai chaud. Alors, j'espère que, du coup, le ventilo, il est un peu sur moi. Donc, j'espère qu'il n'est pas trop sur le micro, mais au cas où, hein. S'il y a un moment, le micro, il est en mode saturé de fou à cause du vent, vous me le dites et je décalerai un petit peu. Mais là, mon ami, le ventilateur... bon, c'est mon ami, hein. Clairement. Ouais, Lille. J'habite à la campagne, mais bon, ma campagne, personne la connaît. Et Lille, c'est bien. Arrêtez, Maïsub, là, et oh, hein, hein. Si, si, t'inquiète, j'ai prévu plein de choses encore, et le temps de sommeil que je vais avoir en moi avec les réveils nocturnes, je préparerai plein de nouvelles choses. Trop bien, j'ai trop hâte de voir, du coup. Trop, trop hâte. Trop, trop hâte. Alors, du coup, bah, bon... on a fait plein de blabla en cette petite introduction de cours de japonais. Comme d'habitude, respect à toutes les personnes qui regardent les replays sur YouTube. Je sais pas si vous avez vu, mais maintenant sur YouTube, je vous mets le timing pour chaque point que l'on voit. Comme ça, vous pouvez tout de suite passer tout ce blabla-là. Ça se trouve, il y a des gens, ils verront même pas ce blabla parce qu'ils auront vu les timecodes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais trop te faire un bisou et faire un coucou à ta communauté. Ah, c'est trop gentil, Gerbi. Je dois déjà vous laisser, ma chérie a besoin de moi. Ma, gambatte,
Gambatte, bonjour à ta chérie, du coup, et puis bon courage pour tout ce que t'as à faire. Les gens, encore une fois, il est là dans le chat, allez le suivre, un petit follow, ça fait toujours plaisir. Et puis, il fait des révisions de japonais, donc ça peut vous être utile. Et il les fait bien en plus, ces révisions. Moi, j'adore à chaque fois quand j'y vais. Du coup, bah, des bisous à toi, cher Milan, à la prochaine. Sans, à plus mon takoyaki. C'est trop chou comme pseudo en vrai. On est tous des takoyaki chez Jeremy Land. Moi je suis fière d'être un takoyaki. Coucou Haruki, comment tu vas? Du coup les gens, aujourd'hui, on va faire un peu de grammaire quand même. Un petit peu. Même si l'ambiance est cool, chillax et tout, on va faire un peu de japonais. Hein. On est là pour ça de base. Je pense que les 60 personnes et quelques qui sont là pour ça. Par contre, les gens, je ne reviens toujours pas de votre présence. Vous êtes beaucoup. j'ai reçu le tome de Naruto, trop contente et merci. Mais de rien, merci à toi du coup. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était pendant mon live anniversaire. Marie a gagné au tirage au sort et un manga de son choix. Et elle a choisi Naruto en VO sur le site de Nippongo. Et du coup, bah voilà, je suis contente. Et Drill, t'inquiète pas, je t'oublie pas. Il est même là. Ce matin, j'ai pu le solidifier du coup. Il va bientôt arriver ton porte-clés. Il faut juste que je le mette, forcément que je le relie. Et ça aussi, les gens, c'était pendant le live anniversaire et c'est Idril qui a gagné au tirage au sort pour ce petit porte-clés Pushin fait de mes petits doigts. Peut-être pas de fée, mais petits doigts. Enfin voilà, pour les nouvelles. Vous allez bien, je vais bien. Tout va bien. Donc maintenant on peut faire du japonais. Oh non. La conjugaison chinoise. Do. Il est tout mimi. Oui, franchement je suis jalouse. Hein. Je pense que je vais m'en faire un pour moi parce que je le trouve trop mignon. Trop mignon. Les vacances, ça, je pense que ça aide à se ressembler plus que d'habitude. C'est vrai, c'est vrai. So. Tu as les cheveux qui volent, ouais, c'est le ventilo. C'est le ventilo. En plus, ils sont pas... Bon, bref, je vais raconter... Arrête de raconter ta vie, Candice. Arrête. Alors, voilà pour aujourd'hui. On va faire de la grammaire, toujours par rapport au programme de Minano Nirango, que je remets à ma sauce, mais je gagne du temps à suivre ce que eux ils font. Hein, on va pas se le cacher. Et puis, de toute manière, le Minano Nirango est un très bon manuel. On va voir du coup aujourd'hui la leçon 3. Encore une fois, vous allez voir, les cours de grammaire, du coup, vu qu'on suit les Minano Nirango, pour le moment, sont assez rapides. Vous allez voir qu'en moins d'une heure, on aura fait le cours d'aujourd'hui, hein, je pense très largement même. Et aujourd'hui, on voit la suite des démonstratifs, du moins, on voit deux colonnes supplémentaires. Oh le plagiat, je reporte, vas-y, je reporte. Ose. Du coup, aujourd'hui, donc si vous vous rappelez, hein, il y a 2 semaines, on avait vu les démonstratifs Kore Sori Are et Kono Sono Ano avec les mots interrogatifs qui vont avec. Et on avait la chanson justement du Koso Ado. Et ça, bah, à force de vous le répéter, vous retenez Koso Ado. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous explique un peu le principe des démonstratifs japonais. Hein. Ils ont une notion spatiale. C'est-à-dire que quand on va pointer quelque chose du doigt et que ça commence en ko, ça sous-entend que c'est quelque chose proche de nous. Par exemple ici, ce gobelet, c'est collé parce que c'est proche de moi. Par contre, si je le mets proche de la personne à qui je parle, à savoir ici le chat, donc c'est vous, ça devient so. Donc tout ce qui est proche de la personne à qui on parle, c'est so et donc solé, ceci. Et le dernier, c'est en A, koso A. Si c'est loin de nous deux, loin de moi et de la personne avec qui je parle, alors on désignera ceci par allez, cela, là-bas, loin de nous deux. Et évidemment, on a le mot interrogatif, dore, qui veut dire lequel parmi 3 choses ou plus. Donc si j'avais par exemple plusieurs gobelets, j'aurais pu dire watashi no, bah, je sais pas comment on dit glace, on va dire un verre, hein, je sais pas dire gobelet, gobulé. Grâce à Doledeska, mon gobelet, mon verre, c'est lequel? C'est le mien. Bon cours à toutes et à tous. Ah non, Mayeux, pourquoi tu t'en vas? Ne fuis pas ton destin. Ne le fuis pas. Bah, je rigole, évidemment. Voilà pour le petit récap. Et pareil, du coup, Kono, Sono, Ano, c'était la même chose, sauf que derrière, on a un nom.
Kono glace, ce verre. Sono glace, ce verre là, près de vous. Et ano glace, ce verre là-bas, loin de nous. Bye bye. Bye bye. Je sais pas ce que tu vas faire, mais bye bye. Peut-être bon appétit. Azazel ! Ça fait longtemps. Oh mon dieu, comment tu vas ? Azazel, genki ? Ah, je vais m'occuper de mon petit monstre, wesh. T'as bien raison, t'as bien raison. Et bah, des bisous à Célina, du coup. Des bisous, bisous. Donc voilà pour le récap. Je ne sais pas si c'est clair pour ceux qui avaient suivi le cours. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi et pour qui c'est un peu flou, évidemment, vous avez le replay sur la chaîne YouTube. Ça va, ça fait longtemps, oui. Plus trop le temps de passer avec le boulot. Ah, je me doute. Bon, en soi, c'est une bonne chose d'avoir du boulot, hein, mais pour le japonais, du coup... Je suis contente que tu sois là quand même, du coup. Mais écoute, ça va, ça va, ça va. J'ai... Ah, les gens, s'il y a une chose, j'ai eu mon master. C'est peut-être une chose super importante à dire, en vrai. J'ai eu mon master avec une très bonne moyenne. Du coup, voilà, je suis contente. Je savais déjà la note de mon mémoire, mais je ne savais pas si j'avais mon année, ou du moins à combien je l'avais. Du coup, voilà. Qu'un dit à son M1. Et du coup, l'année prochaine, c'est le M2. Ça va être la galère. Arigato, arigato, minasan. Arigato gozaimasu. Merci tout le monde. Ah putain, des clap, 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 sans que j'ai besoin de dire clap, clap, clap. Arigato, minasan. Arigato gozaimasu. Ah, et dernier instant promo. Les soldes. C'est prolongé jusqu'à ce soir, 23h59. Si vous avez toujours pas le temps... Vous hésitez à acheter quelque chose sur la boutique? N'hésitez pas, c'est le moment. Bon, voilà, c'est bon. Merci tout le monde. N'hésitez pas à profiter des soldes. On commence le cours de grammaire. Si vous voulez bien. De toute façon, on le fait quand même. Donc, je vous disais, aujourd'hui, on va voir la suite des démonstratifs. La dernière fois, on a vu des démonstratifs où on va désigner des objets, des choses. Là, cette fois-ci, on va apprendre des démonstratifs pour désigner des lieux et des directions. C'est les deux autres qui sont vachement utilisés, surtout quand on est débutant. Ouais, Idril, toi, vous avez déjà tout acheté depuis très longtemps. Très, très, très longtemps. Ah, coucou Kaluhart, comment tu vas ? Donc aujourd'hui, on va voir les démonstratifs de lieu, koko, soko, asoko, avec le mot interrogatif, pardon, doko. Et on va voir les démonstratifs de déplacement, de direction, pardon. Dotira, kotira, sotira, atira, dotira. Par ici, par là, par là-bas, par où. Et enfin, dernier point, parce que la leçon était vraiment courte, on va voir aussi les chiffres et du coup les prix. Et demander forcément en japonais combien coûte telle chose, ça coûte combien, c'est combien. Et on va retravailler, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, les chiffres, les nombres. Bah voilà, ça va déjà faire un bon programme de cours de grammaire, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Et si c'est bon pour vous, mettez des clap 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 dans les chats. Des clap clap clap. Merci Matt pour le follow してくれて arigato gozaimasu sur notre channel. Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à le dire dans le chat. Bonjour, je vais m'abonner à toi. Eh ben vas-y. Alors les gens qui arrivent comme ça, boum boum ils connaissent pas, boum boum ils disent coucou. Alors déjà parlez dans le chat. Mais moi, c'est Doki Doki et le Kokolo. Hein. bon, là, il y a tout, je vais préparer le dîner. Oka, ça va bientôt rentrer. Ah, naruhodo. Bah, merci à toi d'être passé, Moumou. Du coup, ça fait super plaisir. Et puis, bah, bon appétit à toi. Et bonjour à ta maman. Et bonne soirée. du coup, on commence le cours d'aujourd'hui. Et là, toujours le même principe. On va voir ici, c'est limite du vocabulaire, hein, mais on va le voir dans des structures de phrases que l'on a déjà travaillées dans les leçons précédentes. Encore une fois, si les structures ne vous disent rien, vous pouvez les apprendre, les revoir avec les replays qu'il y a sur YouTube. Donc n'hésitez pas, dans la playlist Mina no Nihongo. Voilà, n'hésitez pas. Donc on va voir des phrases en japonais. Dans un premier temps, je vais essayer de vous laisser traduire. On va travailler ça aussi, la traduction de votre côté. Je donne
moi, comment je l'aurais traduit. On fait phrase par phrase. On regarde si vous avez bien compris le cours, bah, du moins comment dire, ce que l'on voit, donc le démonstratif de lieu. Et on passe au point suivant jusqu'à la fin du cours. Du coup, on commence ici avec une première phrase. Koko wa kyoshitsu desu. Vraiment, je vous mets des formes très basiques hein, pour qu'on puisse utiliser koko, soko, asoko, doko. Et donc ici, koko wa kyoshitsu desu. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire en japonais? Eh ben écoute, je vais très bien, Matt. Merci beaucoup. Ça va très 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 bien. Très bon début de semaine. Coucou Christophe, comment tu vas? J'avais pas vu que tu étais en live. Eh si, je suis en live. Si, exactement le poulet. Les ko-so-ado, 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 ko-so-ado. Ah, alors, kyoshitsu, ici pour le vocabulaire, ça veut dire la salle de classe. Kyoshitsu, kyo, c'est oshieru, enseigner, apprendre, etc. Shitsu, c'est la salle. La salle où on apprend, la salle où on enseigne, c'est la salle de classe. Koko wa kyoshitsu desu. Très bien tout le monde. Ici, en ce qui concerne ici, on parle d'un lieu. Kyoshitsu desu, c'est la salle de classe. Ici, c'est la salle de classe. Très bien. La deuxième. Soko wa daegaku desu. Soko wa daegaku desu. Ah, coucou Laurent Japon, konbanwa, comment tu vas? Genki desu ka? Toi aussi tu es nouveau. Comment as-tu connu la chaîne? Comment as-tu débarqué parmi nous? Soko wa daegaku desu. Soko wa daegaku desu. Comment vous me direz ça en français? Oui, très bien tout le monde. Soko du coup, donc spatialement parlant, c'est plus du côté de la personne à qui on parle. Hein. Donc là, dans le sens près de la personne à qui je parle, hein, daegaku desu, daegaku, c'est l'université. Donc là, c'est l'université. Très bien tout le monde. Ensuite, on a une autre structure. Donc là, vous voyez, on a un démonstratif qui est le thème. En ce qui concerne cette position, ce lieu-là, c'est un lieu. Donc à cet endroit-là, ici, là, là-bas, c'est un lieu. Et on peut faire l'inverse. On peut switcher, mettre le lieu en thème et la position, l'endroit bien précis, le lieu en tant que démonstratif juste ensuite. Et donc ça donnera Watashi no ie wa asoko desu. Les deux sont faisables. Hein. Vous switchez finalement entre le thème et le complément. Hein. Et donc Watashi no ie wa asoko desu, ça voudra dire quoi? Vous me traduirez ça comment en français? Je vais faire ma vaisselle, mais je participe oralement. Ok, ça marche, très bonne vaisselle à toi. Et du coup, Christophe, t'as l'habitude maintenant. Si t'as des questions, n'hésite pas. Merci beaucoup, Jérémy, Maurice. Comment tu vas? Merci pour ton follow. Follow shite kurete. Arigato gozaimasu. Sur notre channel, yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Ah, coucou Saku, comment tu vas? Je ne suis pas du tout à jour, mais je viens un moment avec vous. Ah! T'inquiète pas, Saku, tu peux y arriver cette leçon, je pense. Daijoubu to moi. Très bien, tout le monde. Watashi no ie, c'est de la détermination, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Mon, ma, et ie, c'est la maison. Donc, ma maison, wa asoko desu, ma maison, en ce qui concerne ma maison, hein, elle est là-bas, loin de nous deux. Asoko desu, asoko desu. Uchi, alors, pour ta question, hein, Meleto Ina, uchi, ça a la connotation de ma maison. Alors que ie, c'est la maison de manière générale, c'est le terme le plus neutre finalement. Mais si tu dis uchi, c'est que c'est forcément la tienne. C'est synonyme de watashi no ie finalement. Ohayo, c'est la première fois que je viens. Ah, coucou à toi Caroline. Comment tu vas? Bah écoute, bienvenue à tous les nouveaux. Je vois qu'il y en a beaucoup qui parlent sur le chat et qui sont nouveaux. Ça me fait super plaisir, vous êtes des amours les gens. Oh, mais Laurent, mais merci. Wow, congratulations. Merci beaucoup pour le... Sauve! Je veux des clap 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 dans le chat! Des clap 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 pour Laurent! Merci beaucoup! Toroku shite kurete! Arigato gozaimasu! Tasukarimasu! Ça m'aide beaucoup, merci! De rien, Mele! De rien, de rien! Ça me rappelle mes cours à la maison du Japon en 2011! Oh my god!
Est-ce que c'était une bonne expérience ou est-ce que juste ça te vieillit? Ichitsumandana, c'est une bonne question. Donc en effet, hein, watashi no iwa asoko desu, ma maison est là-bas. Et oui, des clap clap clap. Merci les gens à chaque fois pour tous vos follow, pour tous vos subs, pour votre amour en fait de base. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les best. Niveau 47 pour Mayeux, ça va être impossible à rattraper. Et le pire, c'est que Mayeux, il a bientôt 100k, je crois. Ah, merci Saku. Merci pour le beat de l'amour. Labu labu no beat. Arigato, arigato. Et du coup, dernière phrase pour ces quatre termes avec la question justement. Yubinkyoku wa doko desu ka? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est Yubinkyoku? C'est pas un terme qu'on voit souvent, mais ça peut toujours être utile, surtout si on est au Japon. Une très bonne expérience et ça me veille un peu. Ça me ça me rappelle quand j'étais étudiante. Bon bah ça va alors. Ça me rassure. Oui, très bien. En effet, Yubinkyoku, c'est la poste, le bureau de poste, là où on va pour envoyer les colis. Très important si on va au Japon et qu'on achète la blinde de figurines ou de manga et qu'on n'a plus de place dans sa valise. Très important. Très important. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, Yubinkyoku wa doko desu ka? Ça voudra dire quoi en japonais? Let's go Destiny! Pour l'instant, Kalinours l'a réussi haut la main, forcément, ça fait des années qu'elle est là. Enfin, des années, depuis le début. Mayeux, bah, Emodo, donc il peut pas avoir le statut de VIP. Mais je pense qu'il y en a qui sont là depuis un an, peut-être qu'ils les ont, mais juste, je sais pas, ils le dépensent pas. Ou alors ils dépensent pour autre chose, du coup ils peuvent pas économiser. Ah, très bien tout le monde. Et du coup, on est bien sur une question. Ici, il fallait reconnaître la particule d'interrogation, mais forcément, vu qu'on est avec un mot interrogatif, bon, c'est logique, hein. Et on pose la question justement pour savoir où est la poste. Yubinkyoku wa doko desu ka? Où se trouve la poste? Où est la poste? Très bien tout le monde, très très bien. Alors du coup, si je vous dis en français... Où est le chien? Non, où est le chien de Monsieur Tanaka? On va faire une phrase un peu longue, hein. Comment vous me diriez ça en japonais? Où est le chien de Monsieur Tanaka? Comment on dit ça? Où est le chien de Monsieur Tanaka? Comment ça se dit en japonais? Ah, faites attention quand on est sur la la détermination, on inverse avec c'est chien de Tanaka. Donc Tanaka de chien, on inverse. Très bien tout le monde. Hein. Tanaka-san no inu wa doko desu ka? Et me dire le chien est par là-bas, est là-bas loin de nous. Comment vous me diriez ça? Le chien est là-bas loin de nous. Ah, coucou Mogax, je suis en retard. Alors t'inquiète pas, on vient de faire seulement le premier point et on s'entraîne à ce premier point justement. Oui, très bien Sophie, on met des temps. Dès qu'on est sur de la possession de ça appartient à quelqu'un, c'est vraiment le nom est avant. Et ensuite, on a l'objet en question, l'animal en question ou quoi que ce soit en question. Inu wa asoko desu, excellent tout le monde. Inu wa asoko desu, le chien est par là. Autre question. Où se trouve qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le livre de japonais. Où se trouve le livre ou le manuel, hein, vous choisissez le mot que vous voulez, de japonais? Comment vous me diriez ça? Merci beaucoup, Eitel Red, pour ton follow. Follow shite kurete. Arigato gozaimasu. Sono channel, yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à répondre à ces questions dans le chat parce qu'on est curieux ici. On aime bien savoir tout ça. Et merci beaucoup aussi Kairox. Et je te pose les mêmes questions. Comment vas-tu? D'où vas-tu? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à le dire dans le chat également. Merci pour tous vos follow, vous êtes des amours. On est bientôt à 2008. Je suis choquée, ça fait un an les gens. Vous êtes fous. Nihongo no hon wa doko desu ka? Faites attention, ici on parle bien de la langue japonaise, pas du pays. Hein. Nihongo no hon ou kyokasho. What?
Yatta. Mais il y a beaucoup de sap aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup, Mouni, c'est trop gentil. Les gens, je veux des clap 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 dans le chat. Des clap 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 dans le chat. Pour Mouni, pour les follows, pour les scores, pour tout le monde, parce qu'on est trop gentil. Je suis plus en rythme, mais c'est pas grave. Merci, torokushite kurete, arigato gozaimasu, totemo tasukarimasu. Ça m'aide beaucoup, merci beaucoup, beaucoup. Et donc du coup, Mouni, tu rejoins le clan, le club très select des VIP, et du moins des subs. Et donc tu as également des petits salons qui vont apparaître si tu as connecté ton Discord et ton Twitch, qui te seront réservés avec les autres subs de la chaîne. Ah, merde, c'est parce que j'ai reculé. Je réavance, comme ça vous entendez moins le vent. Et du coup, pour la phrase, Nihongo no hon wa doko desu ka? Ou Nihongo no kyokasho, qui veut dire manuel, hein, kyokasho, wa doko desu ka? Et me répondre, il est ici, alors près de moi. Du coup, Doita Shimashite, je suis sur le Discord depuis un moment, je dois prendre le temps de vraiment suivre les cours. Ah, naruhodo! Naruhodo, tout s'explique. Je dois vous laisser, le boulot m'appelle, je reprendrai le replay plus tard. Ah bah écoute, merci à toi d'être venue, Neko Céline, et puis gambatte pour le boulot. Bon courage, tu peux le faire. Kokodes, exactement, il est ici, Kokodes. Bon, le chat a l'air de très bien s'en sortir, je ne sais pas ce qu'il en est pour les personnes qui ne parlent pas, qui en général suivent en marquant sur une feuille. En tout cas, encore une fois, si vous ne savez pas ou si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à poser la question, d'accord? N'hésitez pas. Je suis là pour ça, justement. C'est pour ça que Twitch, c'est cool, parce qu'on peut se permettre de prendre tout le temps qu'il faut pour répondre à la question. Nihongo no hon wa koko desu, ça marche aussi également. Hon wa koko desu, Nihongo no hon wa koko desu, tout fonctionne. C'est très bien, tout le monde, très très bien. Kanpeki desu, kanpeki, c'est parfait. Est-ce que ça vous semble clair? Si oui, mettez-moi des clap-clap dans le chat, ça me permet plus facilement de mesurer la compréhension. Daijoubu desu ka, minasan? Dou desu ka? Wakarimashita ka? Ok, ça a l'air d'aller pour Sophie, pour Dolly, pour Philo, pour Lily, pour Dr. Queen. Oui, pour tout le monde. Très bien, très très bien. On continue du coup. C'est quel kanji avant le 2? Le D? Asoko wa daegaku? Ah, gaku! Gaku, c'est manabu, apprendre. Et c'est le kanji pour l'école de manière générale aussi, hein. Gakko. Daegaku, shogakko, toka. L'école, apprendre. Manabu, pour le verbe. Sensei no ripoto wa daijoubu deshita ka? Ah, hai, totemo daijoubu deshita. あの、まあ、1年生マスター、1年生は合格できました。嬉しいです。ありがとうございます、クリストフさん。ありがとう、いつも質問してくれて。ありがとう。やったねー。そうですね。今すごく嬉しい、一言。え、donc du coup、deuxième point。ありがとう、ありがとう。deuxième point。 On parle plus maintenant du lieu, donc Koko Soko Asoko, hein. On parlait d'un lieu bien précis que l'on va pointer du doigt. Là, on va parler plutôt de direction, c'est-à-dire qu'on va montrer vraiment, c'est bon, une direction, hein, c'est pas bien compliqué, j'ai envie de dire. Vous allez montrer du doigt un endroit, la direction vers un endroit. On est encore sur du lieu. On peut aussi... Est-ce qu'on peut l'utiliser avec des personnes? Tanaka-san wa kochira desu. Je pense que ça se dit, ça me paraît pas bizarre de le dire. Mais bon, de manière générale, on va montrer la direction vers quelque chose. Encore une fois, kochira, sotira, atira, dotira, c'est lié à l'espace, hein, près de moi, près de la personne à qui je parle, loin de nous deux, etc. Et on commence avec la première phrase. Kochira wa elebeta desu. Kochira wa elebeta desu. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça? Elebeta. Est-ce que vous connaissez ce mot? C'est en katakana, je pense que vous pouvez peut-être le deviner. Do desu ka? C'est ça. Elebeta, c'est l'ascenseur. Donc, kochira wa elebeta.
ça voudra dire quoi? Merci beaucoup Emma KML07 pour ton follow. Follow je te kurete. Arigato gozaimasu. No channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à le dire dans le chat parce qu'on est tous des curieux et qu'on veut tout savoir sur tout le monde. Très bien tout le monde. L'ascenseur est par ici. L'ascenseur est par ici. Et donc là en général, ah, continue à elebata des. Voilà, il y a la personne, elle va vous montrer juste ici. Ah. Continue là, c'est vers là-bas. Tu viens du Discord. Ah, naruhodo, Laurent. Naruhodo. Très bien pour seul. La deuxième. Sochira wa gakko desu. Sochira wa gakko desu. Qu'est-ce que ça veut dire? Gakko. Et la phrase de manière générale. Sochira wa gakko desu. Kanpeki desu, minasan. Subarashi. Hontou ni subarashi. So desu ne. So so so. Sochira, hein, c'est par là, de ton côté, en fait, finalement. Donc, et gakko, c'est bien l'école. Donc, par là, c'est l'école. Kochira wa. Sochira wa. Achira wa. Hein. Le démonstratif de direction en tant que thème, plus un endroit, gakko desu. Ça a l'air d'aller pour tout le monde. Ensuite, comme pour le lieu, on peut interchanger. On peut dire gakko wa sochira desu. Gakko wa sochira desu, ça se dit aussi. Et donc là, je vous donne un exemple. Uriba wa achira desu. Alors, uriba, c'est pas un mot courant, mais peut-être qu'il y en a dans le chat qui savent ce que c'est. Uriba te nan desu ka? Qu'est-ce que c'est uriba? Bonjour, je connais la chaîne via une amie. Je suis contente d'être là. Ah bah écoute, merci à cette amie. Et bienvenue à toi Emma, si tu as des questions, n'hésite pas. Je ne sais pas si tu es débutante en japonais, mais tous les cours qui ont pu avoir lieu sur cette chaîne sont disponibles sur la chaîne YouTube, donc si tu as des choses à rattraper, n'hésite pas. Et si tu n'es pas sur les Discord, et ça vaut pour tout le monde, hein, n'hésite pas non plus, c'est un serveur d'entraide. Et évidemment, il y a quelques avantages pour ceux qui sont abonnés. Abandonnés? Ah, abandonnés. Vous êtes abandonnés? Venez sur le Discord d'apprendre en japonais, ça rime en plus. Oh, faire un clip. Oui, très bien, c'est le rayon du magasin. Un rayon, oui, un rayon. Très bien. Donc, Uriba wa achira desu. Que veut dire cette phrase? Ah, naruhodo. Eh ben écoute, merci Caroline. Merci pour les petites pubs. Les gens, n'hésitez pas à parler autour de vous d'apprenons japonais et d'inviter vos amis, comme Caroline l'a fait avec Emma. Dozo, dozo, mina. Plus vous en parlerez, plus la chaîne pourra grandir, plus il y aura des projets, plus il y aura de cours, plus... Et en plus, ça sera gratuit. C'est cool, non? Très bien, tout le monde. Uriba wa achira desu. Le rayon est par là-bas, sous-entendu loin de nous deux. Et là, évidemment, la personne qui parle va montrer une direction. Achira desu. Achira desu. Par là-bas. Achira desu. C'est très bien, tout le monde. Très, très bien. Et enfin, dernière phrase. Départo wa dochira desu ka? Départo wa dochira desu ka? Que veut dire départo? Hello, je me permets de poser la question ici, je reprends le japonais depuis le début. Quel livre pourrais-je acheter pour m'aider durant mon apprentissage? Merci. Alors du coup, lesko, ça dépend tes objectifs. Est-ce que tu vises le JLPT? Ou est-ce que c'est vraiment juste savoir parler, savoir comprendre? Quels sont tes objectifs en japonais? Le magasin, très bien. Départo, c'est le magasin. Alors du coup, Victor, c'est l'inverse. Le rayon de poisson, rayon de poisson, c'est poisson de rayon en japonais. Sakana no uriba. Sakana no uriba. C'est très bien tout le monde. Dans quelle direction, par où se trouve le magasin? Le magasin, c'est par où? Départo wa dochira desu ka? Et donc là, vraiment encore, on est sur de la direction. À ne pas confondre, hein. Dochira, ça existe aussi pour dire lequel entre deux choses. On l'a pas vu par rapport au Minano Nirango, mais on l'a déjà travaillé sur la chaîne. Naninanito, naninanito, dochira, entre A et B. Lequel est quelque chose. Les deux, ce mot interrogatif a deux sens, mais vous pouvez déterminer le sens en fonction du contexte. Hein. Donc faites attention.
faites attention. Donc très bien. Par où est le magasin? Le magasin, c'est par où, dans quelle direction se trouve-t-il? Voilà, toutes ces traductions fonctionnent. C'est très bien, tout le monde. Très très bien. Donc là, pareil, les structures se ressemblent toutes, hein, que ce soit avec Kore, avec Kono aussi. On est sur du thème avec Death, et quand c'est des questions, on rajoute K à la fin. Donc il n'y a pas trop de nouveautés, là on est plus sur du vocabulaire et l'utilisation de ce vocabulaire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si ça va, n'hésitez pas à mettre des clap 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 dans le chat. Des clap 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 si ça va. Le japonais, c'est la langue aux multiples sens. Ah oui, exactement, Melissa. Exactement. Coucou Barma, comment tu vas? Genki. Ok, let's go. Ok, ok. Alors du coup, les gens, on fait... Ça a l'air d'aller en plus, donc on fait une petite pause pour que je présente quelques manuels. Je pense que de toute manière, ça vous intéressera. Et pareil, il faut que je fasse un live, justement, pour vous présenter tous les manuels que j'ai. Sachant que la plupart des manuels, je les avais achetés grâce à vous et grâce aux dons que vous faites sur la chaîne. Donc encore merci pour ça, parce que grâce à vous, j'ai une grosse collection de manuels. Du moins, cette collection, entre guillemets, c'est pas une collection, hein, je les utilise pour moi, pour vous, pour les cours de manière générale, donc encore merci. Donc si je dois présenter quelques manuels en particulier, on partirait déjà, donc on va commencer pour du niveau débutant forcément, on a le try qui est très bien, très très bien. Moi je l'ai commencé pour le N3, celui-ci, try, il est pour tous les niveaux du GLPT, il est fait un peu de tout, donc vraiment il est plutôt complet, je trouve, même si on peut pas commencer le try si on n'avait pas fait d'autres manuels avant, si on n'a pas déjà quelques petites notions à droite à gauche. Je pense que lui il est bien quand on a justement quelques petites bases et qu'on se fixe par objectif de réviser, de travailler le N5, alors le try est très bien. Sinon oh, je sais pas ce que j'ai. Oh. Ensuite, qu'est-ce que j'ai chez moi? J'ai le Manekineko. Manekineko niveau 1. C'est un manuel que j'utilisais quand j'étais au lycée. Et j'ai d'autres manuels qui sont dans mes bagages, donc je peux pas les sortir. Mais ceux que j'ai là, donc après j'ai le... Donc, Manekineko, c'est celui-là. Attendez, on va mettre l'écran d'écran. Manekineko. Donc encore une fois, c'est une méthode assez complète, compréhension de l'écrit, grammaire, vocabulaire. Pour le N5, c'est plutôt pas mal, des fois il y a même des points du N4, donc dans l'ensemble il est plutôt bien. Et moi je l'utilisais pour le lycée, c'est celui que j'avais. Alors, ALEB, le Kanji Tokana, c'est un dictionnaire de kanji, c'est pas un manuel pour apprendre les kanji. Si vous voulez apprendre les kanji... j'ai plusieurs manuels à vous recommander. Premièrement, et c'est le manuel que j'utilise, mais je l'ai pas là, donc je prends juste le niveau au-dessus. C'est le manuel que j'utilise pour vous donner les cours de kanji. C'est Kanji Master. Kanji Master N5, N4, N3, N1. Ils ont tous les niveaux du GLPT. Donc celui-là est pas mal. Il y en a un autre, c'est Kanji Kakitai. Je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, mais il est vraiment bien aussi. Kanji Kakitai. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le Minano Nirango, c'est un peu la base. Mais déjà, avec ça, le Banzai, qui est dans ma valise, donc je peux pas vous le montrer. Mais le Banzai est pas mal pour la grammaire aussi. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Mais je pense que j'essaierai de vous faire un live pour vous présenter tous les manuels que j'ai. Je vous dire ce qui est bien ou pas. Ce que j'apprécie, ce qui permet de travailler, etc. J'en ferai tout un live, je pense, et je ferai une annonce sur le Discord un soir. Certainement, je ferai ça en live. Donc voilà. Ah oui, il y a le Genki aussi. Il est en anglais, mais il est pas mal. Hein. Les Genki, au niveau grammaire et tout, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Est-ce que c'est utile d'acheter? Donc ça, c'est bon, j'ai répondu... Oui, c'est ça, Méléa. Hein. Pour le try, je suis d'accord avec toi. Laurent. Le japonais, c'est simple. Les enfants d'un an le parlent là-bas. Mais oui, voyons. Ah, bye bye, Caroline.
バイバイ、さよなら。Et bah, à la prochaine et bon replay à toi. Du coup, je pense que j'ai vraiment fait le tour de ceux que j'apprécie le plus. En tout cas, pour travailler la compréhension de l'écrit, la grammaire, le vocabulaire, les kanji. Après, tu as plein de choses. Alors, pour le GPT-5, c'est pas évident. Mais tu as des manuels qui sont adaptés pour la compréhension de l'écrit, d'autres qui sont plus adaptés pour la compréhension de l'oral. Et la pratique, malheureusement, il n'y a pas trop de manuels. Il faut travailler avec des gens. Ou alors, c'est compliqué en autodidacte, la pratique. Hein. C'est ça qui pose problème. Il faut trouver un ami avec qui travailler, un japonais, encore mieux. Ça, c'est autre chose. Les manuels ne peuvent pas forcément aider à faire beaucoup de pratiques. Surtout si tu peux pas te faire corriger, c'est surtout ça. Basic Kanji Book. Je crois que j'en ai entendu parler. J'en entends pas des mauvaises choses. Donc oui, il doit être bien. Je l'ai jamais vraiment lu ni utilisé. Mais oui. Je pense qu'il fait partie de ceux qui sont bien pour les kanji aussi. Hein. Ah, coucou Saïma, comment tu vas? Genki desu ka? Alors, Mina no Nihongo, je te dirais qu'avec un prof, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Mais Germiland, par exemple, qui était là tout à l'heure, l'utilise, il me semble, sans forcément de prof. Il est assez autodidacte dessus. Donc, c'est faisable sans prof. Mais il faut avoir de la jugeote. Hein. Il faut comprendre comment ça marche et tout. Et puis, avoir... comment dire? Être débrouillard. Il faut être débrouillard. En fait, c'est quoi JLPT? Oui, c'est une certification, c'est un diplôme qui, internationalement, on va dire, atteste plus ou moins de ton niveau en japonais. Du moins, ça atteste de ta compréhension du japonais, pas de ton expression. Mais bon, si tu comprends, en général, ils considèrent du coup que tu sais parler aussi. Enfin, ça, c'est un débat, hein, mais ça atteste de ta compréhension du japonais, ton niveau de compréhension. Le N1, c'est comme si tu étais natif. Le N5, c'est grand débutant. Ah, sérieux, Barmok? Ah, naruhodo, je savais pas. Shiranakatta. Naruhodo, naruhodo. Bon, fin de pause, du coup. Dans tous les cas, les gens, je me répète, je ferai un live sur tous les manuels que j'ai pour vous dire ce que je recommande. Je dois certainement repasser une commande aussi d'autres manuels de compréhension de l'écrit et de la compréhension de l'oral. Donc, à ce moment-là, je ferai tout en même temps, comme d'habitude. Et je vous montrerai les sites où j'achète aussi. Donc sinon, par rapport au cours, le dernier point de la leçon, c'est les chiffres et le... comment dire? Demander combien ça coûte, le prix de quelque chose. J'attends ce live avec impatience. J'essaierai de le faire rapidement du coup, peut-être la semaine pro. Je vais regarder mon planning, mais la semaine pro, peut-être que je le mettrai du coup. C'est un live qui ne me demande pas préparation en plus, donc c'est vraiment juste on papote ensemble et on chill, on pose des questions, on parle japonais. Du coup, voilà. Alors shadowing, je n'ai jamais fait de shadowing. Pour ma pratique du japonais ou quoi, j'en ai jamais fait. Je sais que Judai, forcément, pour ceux qui ne connaissent pas Judai, si, hein, n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitch et sur ses réseaux sociaux. Lui, forcément, c'est son truc. moi, je m'y connais pas du tout. Je m'y connais pas du tout. Genki genki, sensei wa genki desu ka? Atsui desu ne. Ah, genki desu, arigato. Ma, totemo atsui desu ne. Ima, chotto, atsusugite run dakedo. J'ai un peu trop chaud, mais c'est pas grave. Un peu de préparation de panier. Ouais, mais ça, je le fais avec vous, c'est ça. Un peu de préparation de carte bleue sur le côté. Grosso modo. Merci beaucoup, la GRP7. Merci pour ton follow. Follow Shikurete. Arigato gozaimasu no channel. Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Donc, du coup, ikura desu ka? Combien ça coûte? Ikura desu ka? Avec le prix nani nani yen en des. Donc là, je vous mets deux phrases. Nektai wa ikura desu ka? 300 yen desu. Qu'est-ce que ça veut dire nektai? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Et pareil, que veut dire cette phrase en français? Quelle serait la traduction? Oui, c'est ça. Nektai, la cravate. Nektai, cravate. Donc, nektai wa ikura desu ka? Nektai wa ikura desu ka? Oui, très bien, très très bien. Combien coûte la cravate?
combien coûte la cravate? Et forcément, vous avez une réponse avec des yens hein, au Japon. 300 yens des, elle coûte 300 yens, ce qui fait 2 euros et des centimes. Bon, à Daiso, dans les Hyakuen Shop, là, les magasins un peu style action, mais vraiment pas cher. Vous pouvez trouver des cravates pour 300 yens. Peut-être moi, je sais pas, mais bon, je suis une femme, je n'achète pas de cravate et j'en ai jamais acheté pour les copains que j'ai pu avoir. Donc, je ne sais pas le prix d'une cravate, mais ça doit coûter quand même cher, j'imagine. Ma connexion est mauvaise, je regarderai la rediffusion. Bonne leçon. Ah non, rip la connexion de Moody. Titi. Mais écoute, bon replay à toi du coup, et puis bienvenue parmi les abonnés de cette chaîne. Et si tu as des questions, bah, n'hésite pas à utiliser les salons qui te sont maintenant réservés. Et à la prochaine. En France, ça coûte cher pour une bonne cravate. Bah, je pense que c'est un peu comme les meufs. Hein, dès que ça touche à l'accessorisation ou quoi que ce soit, ça peut vite devenir cher. Donc, ouais, voilà, ça fait mal. Donc, en effet, la cravate coûte combien? C'est 300 yens. On pourrait aussi dire, Nekutai wa sanbyaku yen des. La cravate coûte 300 yens. Cette phrase, on pourrait également dire autre chose, c'est l'utiliser avec un démonstratif. Imaginons, bon, ceci n'est pas une cravate, mais imaginons ceci est une cravate. Kore wa ikura desu ka? Vous pointez du doigt quelque chose que vous avez dans les mains, donc c'est proche de vous, donc kore, ceci. Kore wa ikura desu ka? Et la personne vous dira, si elle vous répond, sore wa 300 yen desu. Ceci près de vous, c'est 300 yens. Deuxième petit dialogue. Yubi wa ikura desu ka? 8000 yen desu. Yubiwa wa ikura desu ka? 8000 yen desu. Que veut dire yubiwa? Est-ce que vous savez? Merci beaucoup Kirsten Live pour ton follow. Follow shite kurete. Arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment nous as-tu trouvé? N'hésite pas à le dire dans le chat parce que nous on est des gros curieux. Oui, c'est ça. Yubiwa, ça veut dire la bague. Littéralement, yu, c'est yubi, le doigt. Et wa, c'est l'anneau. Donc l'anneau autour du doigt, c'est la bague. C'est vrai, Lily. Mais de quoi c'est Ima? Comment ça se voit pas du tout que c'est ça des noms pas du tout au hasard? Bah, ah! Je viens de comprendre. Alors c'est pas que je casse des nombres pas du tout au hasard, c'est que je prends des objets qui correspondent à ces nombres. C'est pas pareil. 62 euros. Ah, ça dessiné 62 euros, 8000 yens. Très bien, très très bien. Donc la bague coûte combien? Yubi wa ikura desu ka? Et là, 8000 yens, elle coûte 8000 yens, à savoir 62 euros. Quelque chose comme ça. Et le dernier, Jidosha wa ikura desu ka? 150万円 desu. 150万円 desu. Change de copain si c'est la bague de fiançailles. MDR. Général, t'entends ça? Non, je rigole. Et moi, je dis ça, mais mes bagues préférées, c'est les bagues Pandora. Et en général, elles coûtent 50 balles. Elles sont vraiment pas chères. Et moi, je suis là en mode, mais elles sont magnifiques en fait. Je m'en fous des diamants. Moi, je veux juste qu'elles soient belles. Donc, 62 euros la bague de fiançailles, ça me dérange pas du tout. Tant que je la trouve belle en fait. Pas cher la boum boum. Oui, c'est pas cher. C'est pas si cher que ça. Ben, si, quand même, un petit peu, mais bon, ça passe quoi. Ouais, exactement, j'ai pensé à ça aussi, général. Si c'est 62 euros au magasin d'usine de base, c'est que, justement, de base, elle coûte beaucoup plus cher. À 50 euros, si elle rouille pas, j'achète, FDR. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc, Jido Osha, hein, la voiture. Voiture pour Jido Osha. Ouais, ikura desu ka, c'est toujours la même chose. Combien coûte la voiture? Et est-ce que quelqu'un peut me faire une conversion de 150 000? 150... Non, 1 million 500 000 yens.
1 500 000 yens, ça fait combien? Ça fait beaucoup, hein. Ça fait combien en euros? Je suis encore toujours très nulle à ça, hein, sachez-le. On est sur du 10 000 euros, je pense. 11 000, 12 000. Ah bah voilà. Ah bah, et j'étais pas mal, hein. Non, 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 Babil 2. Je mis quand même des prix. Eh, les gens... Pour chercher, j'ai tapé quand même sur internet le prix d'une voiture en japonais. J'ai marqué Jido, ça, Ikura. Et ça m'a mis des prix de voiture et tout pour avoir justement les bonnes tranches. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu retires les deux zéros et tu fais 20% de ça. Mais à chaque fois, ma tête, ça. Kuruma, c'est vraiment un mot. C'est Yasashi Nirango, c'est facile. Jido Osha, c'est la différence. Moi, à chaque fois, je dis c'est la différence entre une voiture et une automobile, en fait. Automobile, ça fait tout de suite un peu plus recherché comme mot, alors que Kuruma, c'est très simple. Donc, voilà. Il faut savoir qu'au Japon, une voiture ne dépasse pas 8 ans. Oui, j'avais vu des fois des vidéos à ce sujet-là, justement, que les Japonais changeaient très vite de voiture et qu'ils achetaient souvent 9. Ils sont riches. Les Japonais sont riches, c'est tout. Ou alors, juste en fait, ils n'ont pas de voiture. Ça facilite la vie aussi. Je voulais savoir si les cahiers hiragana et katakana de la campagne Ulule étaient toujours disponibles. Alors oui, KS, bien sûr. Donc, le cahier est en plus actuellement en solde. C'est le dernier jour, j'ai rallongé d'une journée pour quelques personnes qui m'ont envoyé des messages et qui n'avaient pas réussi à trouver l'endroit pour mettre le coupon. Donc n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas encore le manuel. En plus, cette version-là, elle arrive en bout de stock. Et elle va être rééditée. Et il y aura eu 800 exemplaires. Donc vous serez les seuls 800 personnes, entre guillemets, à avoir cet exemplaire-là du manuel. L'autre, je croise les doigts, il y en aura beaucoup plus et elle va être revisitée avec d'autres illustrations. Mais n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore. Il n'en reste plus tant que ça. C'est pour ça que je fais les soldes aussi. Hein. Parce que je vais bientôt rééditer le manuel. Obviously, you know it. Du coup, voilà. La voiture coûte combien? Elle coûte 1 500 000 yens. Très bien. Au plus la voiture est vieille, au plus le contrôle est cher. Ah non, mais les voitures, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que j'ai pas de voiture moi non plus en France de toute manière. Ça coûte trop cher. Et donc là, si je rebondis par rapport au cours, hein, on a vu des chiffres. Mais peut-être que parmi vous, il y en a qui ne savent pas compter en japonais. Alors vous allez voir, pour compter en japonais, c'est vraiment pas compliqué. Et forcément, je vous ai mis tout le vocabulaire, du moins avec toutes les irrégularités qu'il faut connaître pour savoir bien compter en japonais. Ça prend trop de place, les voitures, ça fait du vélo et de la moto. Les motos, j'ai peur, et le vélo, ouais, par contre, j'aime bien. Donc ici, je vais vous montrer le vocabulaire et je vais vous apprendre à compter. Pour ceux, en tout cas, qui ne savent pas encore compter. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le savent déjà, hein, mais sait-on jamais. Donc, ichi, 1, ni, 2, san, 3, yon, 4, go, 5, roku, 6, nana, 7, hachi, 8, kyu, 9, et du, 10. Si vous savez compter jusque 10, en japonais, vous savez compter en fait jusqu'à 99. Parce que en japonais, on fonctionne avec le principe justement de dizaines, de centaines, etc., etc. Et donc, quand vous dites 46, c'est 4 dizaines plus 6. Et donc, c'est 4, 10, 6. Donc, yon, ici, hein, 46. Yon, ju, 40, yon, ju. Et 6, loku. Et en négatif, ça fait quoi? En négatif? Et donc, du coup, si je vous demande 72, ça serait quoi en japonais 72? Évidemment, vous me l'écrivez soit en lomaji, soit en hiragana, pas en kanji. Moins 10? Moins 10? Ah, je sais pas comment. Et jado, Christophe do. Encore un. Minus 10. Ah, sérieux? Je l'ai dit au hasard. Minus 10. Ah, naruhodo.
Oui, très bien. Nana, ju, ni. 72, hein, c'est 7, 10, 70 et 2. Ni. "53". Vous me diriez ça comment, 53 en japonais? Très bien. "Goju-san". 5 et 10, goju, 50 et 3, 5. Un dernier, 81. Ah, Kalinours, des bisous. Bon appétit à toi du coup et puis ben à la prochaine. So desu ne, patsimari. So. Alors t'inquiète pas ça Eliane, tant que ton cerveau y arrive et qu'à l'oral tu le sors, à l'écrit c'est, pour l'instant c'est pas grave. Faut juste comprendre le principe, c'est juste ça. Donc très bien. Hachiju ichi, 8 et 10, ça fait 80. Hachiju et 1 ichi. Maintenant on va passer aux centaines. Alors 100 en japonais ça se dira hyaku, et comme pour le principe de 10, si on rajoute 2, 3, 4, 5, 6, on obtient 200, 300, 400, etc. Donc hyaku ni hyaku pour 200. Par contre 300 est irrégulier, on dira pas san et hyaku, mais on mettra un b au lieu du h, san byaku. On a, vous voyez ici un petit ten, san byaku, san byaku, 300. 400 c'est normal, yon hyaku, 500 aussi, go hyaku. Et là encore une fois, pour 600, on a une irrégularité, on dit pas loku hyaku, c'est un peu compliqué à dire. On dira lop hyaku. Et 800 c'est la même irrégularité. On dira pas hachi hyaku, compliqué à dire, hein, mais on dira hap hyaku. Et évidemment pour 700 et 900 c'est régulier. Oh, bye bye Christophe. Ah bah tout le monde va manger, c'est l'heure de manger. Tout le monde s'en va. Bon appétit tout le monde. Bonne soirée si on se revoit pas et sinon bah à la prochaine. Des bisous. Donc si je vous dis 321, ça donnera quoi 321? Le prochain live du coup c'est demain matin. Demain matin, 8h, 10h, NSK Easy. Oh, merci beaucoup, let's go! Merci pour le sub! Je vais des clap, clap, clap dans le chat! Des clap, clap, clap dans le chat pour let's go! Toroku shite kurete, arigato gozaimasu! Tasukarimasu! Merci beaucoup! Ah, et du coup, bah, alors, après le prochain, c'est mercredi 18h30. Mercredi 18h30, on fait de la compréhension de l'écrit. Et là, je ferai participer les personnes dans le chat en plus. Ceux qui sont sur le Discord. Pour lire et essayer de traduire pour ceux qui veulent, tout du moins. Donc, 18h30, 20h. Et on fera... on va faire... Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Un manuel qui s'appelle... Jupunde Yomeru Monogatari. Celui-là. Il faut que je le scanne, justement. Il faut que je prépare le live. Mais on va utiliser cela, le livre là. On est sur du GLPT5, mais c'est du Ninensei. Ninensei. Et oui, demain matin, en espérant que je me lève. Normalement, je me réveille. Mais non, voilà. NHK, il faut que je rattrape tous les articles. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment, c'est urgent. donc, du coup, en effet, Sanbyaku ni Juichi pour 321 et 866. Comment vous me diriez 866? Ah, ça marche, Christophe! Bah écoute, bonne soirée à toi du coup et des bisous! À la prochaine! Ninensei, c'est la deuxième année scolaire japonaise. Ninensei. Donc c'est pas Ichinensei, j'ai pas pris des Ichinensei parce que c'est vraiment trop facile, Ichinensei. Mais je suis passée directement au Ninensei. Avec quelques kanji dedans et tout. Ça y est, Mac qui débarque. Oui, il y a un pied. Il y a un pied au du lit. Bah oui. Il y a un meuble au pied du lit.
Très bien. 866. Excellent tout le monde. Très très bien. Et enfin, même principe pour 1000. Donc 1000 se dira sen, parfois issen. Ça dépendra des cas. Je ne sais toujours pas la règle quand est-ce qu'on met issen plutôt que juste sen. Moi j'ai pour habitude d'utiliser que sen. Donc, mea culpa. Et ensuite, on a nissen. Et pour 3000, encore une irrégularité. Avec encore une fois des tenten, on dira sanzen. Sanzen. Et l'autre irrégularité, c'est pour 8000, on ne dira pas hachisen, mais bien hassen. De toute manière, tout est marqué dans le diapo. Si ce n'est pas marqué, c'est que c'est régulier. En tout cas, là où il n'y a pas de petit triangle, c'est que c'est du régulier. Et le principe est toujours le même. 1000 ou 3333, c'est 3000, 300, 3, 10, 3. Voilà. Il n'y avait pas encore ton mémoire quand je venais régulièrement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non mais je te taquine, Seima. Comme tu me taquines en vrai, pourquoi je me justifie? Issen, ça marche que pour 1000 tout court. Ah, soyu koto. Naruhodo. Oui, 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 oui. Très, merci de pour le rappel, Seima, du coup. Issen, c'est si vous dites 1000. Mais si vous dites 1300, sen, sound bien cool. Mais vous pouvez aussi juste dire sen pour 1000. Du coup, comme dit Seima, est-ce que c'est vraiment très utile? Bon, bah voilà quoi. Voilà, voilà. Et du coup, les gens, bah, je vous l'avais dit, hein, ça va faire une heure qu'on a commencé la grammaire et on est arrivé au bout de la leçon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ah, alors Dolly, je ne l'ai pas expliqué. Là, je l'ai vraiment mis à titre indicatif, donc je vais expliquer ça du coup. Ici, vous avez shi, shi, chi, ku. C'est... Si on se fie au kanji, hein, pour ceux qui suivent les cours de kanji, vous savez que les kanji ont plusieurs lectures. Lecture japonaise, lecture chinoise, lecture on, lecture kun, lecture on. Donc là, on a des lectures on, des lectures kun. Et en fait, je vous ai mis les lectures pour les chiffres qui vont être utilisées quand l'on va compter certaines choses. Par exemple, shi, shi, chi ou ku, c'est des lectures qui vont être utilisées pour compter les mois. Par exemple. C'est pour ça que je vous les ai mis. Mais de manière générale, c'est les lectures en noir qu'on va utiliser. 1, 2, 3, 4, 5 pour 10, 15, 235, tout ce que vous voulez. Les lectures à côté, c'est des lectures spéciales, mais qui sont quand même pas mal utilisées quand on parle de chiffres et de comptage. Et c'est pour ça que je vous les mets, mais à titre indicatif. Là, en soi, vous voyez aucun vocabulaire pour le moment, à part pour ceux qui utilisent les kanji, parce qu'on les a déjà vus en kanji. On les utilise pas sinon. Pour le moment, en tout cas. Dans ce que vous avez appris aujourd'hui, vous n'avez pas vu de mots de vocabulaire pour ça. Et c'est ça, Saïma, pour les mois, exactement. So. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde, ces petits à côté ici? C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais t'as bien fait de le souligner, Dolly. Merci beaucoup. Arigato gozaimasu. N'hésitez pas à mettre des clap dans le chat si pour vous ça a été cette leçon. Et donc du coup, évidemment, comme tout PDF, maintenant je vous mets le vocabulaire que l'on a vu aujourd'hui. Hein. Donc, sho... Oh merde, c'est kyoshitsu. Non, je le modifierai. Kyoshitsu, la salle de classe. Daegaku, l'université. Ie, la maison. Yubinkyoku, la poste. Gakko, l'école. Depato, le grand magasin. Elebeta, l'ascenseur. Uriba, le rayon. Nekutai, la cravate. Yubiwa, la bague. Et pour finir, Jidōsha, la voiture. Bon, je vois qu'il y a pas mal de clap dans le chat, donc ça, c'est que ça a l'air d'aller, hein, tout le monde. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que l'on a fait aujourd'hui? Daijoubu desu ka? Shitsumon arimasu ka? Daijoubu kana? Voiture électrique. Alors, denki, c'est l'électricité. Den... J'allais dire densha, mais c'est le train. Denki...
je sais pas, Dendosha. Je sais pas si c'est une question parce que tu le sais ou une question parce que tu veux le savoir. Du coup, on va aller regarder tout de suite sur internet. Mais j'imagine qu'il doit avoir le candy de l'électricité dedans. On va aller regarder. Voiture. J'ai appris quoi hier à mes dépens? Hiyakedome. Est-ce que des gens savent ce que c'est Hiyakedome? Oh, j'avais raison. J'avais raison. Denki Jidosha. C'est Denki l'électricité plus Jidosha la voiture. Tout simplement. Ah, dab. Dab. Merci à Harube pour le dab. Ashita wa gozen 3 ni okimasu no de mata ne. Ah, wakatta. Ganbatte Laurent du coup, ganbatte kudasai ne. Bon courage, se lever à 3h du mat. Général, qui est dans le chat aussi, connaît très bien ça, donc je compatis. Bon courage. À la prochaine, merci encore pour l'abonnement. Et puis, travaille bien ton japonais, repose-toi bien. Ah oui, du coup, Lily, oui, c'est sûr que si t'es au Portugal, toi, ça fait tôt, 7h du matin. Après, tu peux venir en plein milieu, hein, on fait plein d'articles. Donc, arrivé à un moment, même si tu vois pas tous les articles, c'est toujours utile. Eh oui. Et donc du coup c'était Denki Jisho. Je vais vous mettre la page du dictionnaire pour ceux qui veulent. Hop, Denki Jisho. Bon, ça a l'air d'aller, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Du coup, encore une fois, les devoirs. N'hésitez pas à faire des phrases par vous-même avec les structures que l'on vient d'apprendre aujourd'hui, avec les démonstratifs, avec le prix. Voilà, demandez du prix. Révisez votre vocabulaire, tout ce que l'on vient de voir. Je fais des decks Quizlet que les abonnés ont à cette chaîne dans le salon justement qui vous est réservé. Vous de votre côté, de toute manière, vous avez le replay pour ceux qui ne sont pas abonnés. Hein. Vous pouvez re-regarder le replay et faire des fiches, etc. Donc n'hésitez pas à checker YouTube quand vous voulez retravailler une leçon. Et du coup, on va s'exercer à cette leçon jeudi. Donc c'est le 22, 18h30, comme d'habitude. Des bisous du coup à tous ceux qui s'en vont. Mais ne partez pas, on va essayer de raid quelqu'un avec un petit peu de monde quand même. En tout cas, vous pouvez vous clap dans le chat. Otsukaresama deshita. Yoku ganbarimashita. Vous avez très très bien travaillé aujourd'hui. Vous étiez beaucoup à être actif dans le chat, donc c'était très bien, très très bien. Toujours de bonnes réponses en plus, ou à quelques fois qu'à droite à gauche, donc très bien, très très bien. Merci beaucoup Dinis et Mip pour vos follow shite kurete. Arigato gozaimasu. Sono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne à vous deux. Donc otsukaresama deshita. Et du coup comme d'habitude, on va faire un petit raid. On est 40, 42 parmi tous ceux qui ont dû aller manger. Est-ce que vous avez des recommandations de votre côté? Une personne qui n'est pas très connue, qui n'a pas une très grosse communauté, qui, peu importe ce qu'il fait, de l'art, de la discussion, du gaming, de la cuisine, vraiment, tout ce que vous voulez comme thème. La seule condition, c'est d'être sympa. Quelqu'un que vous trouvez tout simplement sympa. Ah, Camilen 1, programmation et jeux vidéo, vraiment sympa comme streamer. Ah, attendez, je vais regarder. Il est en stream là ou pas? On va aller regarder ça. Camilen Itti, est-ce qu'il est en live? Oh oui, en plus un tout petit streamer, ça peut être vachement cool. Allez. On va lui donner un peu de force à cette personne. En plus, moi de mon côté, il n'y avait vraiment rien. C'était que des gros streamers. Tu sais, en ce moment, il me met que des gros streamers, ça me saoule. J'aimerais bien avoir des petits streamers dans mes recommandations, mais ils veulent pas pop. Tant pis. Alors, du coup, on se prépare pour le raid. Si ça veut bien. La connexion a l'air de comment dire, pas vouloir. Bon, quoi qu'il en soit, les gens. Merci à tous d'avoir assisté à ce cours. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, comme d'habitude, le Discord est là pour ça. Hop, donc n'hésitez pas à le rejoindre si ce n'est pas fait et à l'utiliser à bon escient pour l'apprentissage japonais ou pour faire de nouvelles connaissances, de papoter de tout et de rien. N'hésitez pas. Voilà, ce sera avec plaisir.
ありがとうよ。ありがとうよ。Merci beaucoup, Philo. On va finir du coup ce stream, ce petit cours avec un joli sub gif de Philo pour Seima. Je veux des clap 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 dans le chat. Des clap 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 dans le chat. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Arigato gozaimasu. Kaskarimasu. Arigato, arigato. Merci du coup pour les subs, pour les follow, pour les bits qui ont été donnés aujourd'hui. Ça m'aide toujours autant à bah, vivre de ça. Même si je suis là pour faire un contenu totalement gratuit, le fait que vous soyez derrière moi à me soutenir et à soutenir la chaîne justement avec des subs et votre présence de manière générale, bah, ça me fait super plaisir. Du coup, merci beaucoup. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. On se voit demain matin pour la NHK Easy. Il y a des activités tout le long de la semaine sur le Discord. Pour ceux qui n'auront pas vu jusqu'au bout ou qui ont loupé des cours, encore une fois, il y a la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Et de manière générale, on a bientôt à 10K sur Instagram. Donc s'il y a quelques personnes parmi vous qui ne sont pas encore abonnées à l'Instagram, n'hésitez pas. Voilà, ça me ferait super plaisir pendant les vacances de dépasser cette barre un peu symbolique pour moi. C'était mon objectif 2021. Du coup, voilà. Et dernière chose, et après on va raid, c'est les soldes sur un prénom japonais jusqu'à ce soir, minuit. Tanjobi 50, c'est le code promo, donc n'hésitez pas. Voilà. Des bisous tout le monde. La phrase de raid, c'est tu t'es fait japoniser. N'hésitez pas à le dire dans le chat pour le streamer qu'on est en train de raid. Cette fois-ci, je vous fais de gros bisous et je m'en vais vers d'autres cieux. Peut-être. Otsukaresama deshita. Vous avez bien travaillé tout le monde. À demain. Des bisous. Bye bye bye.